Donc je disais que le groupe Gay Family a été créé comme ça par hasard sur Facebook. Donc au fur et à mesure qu'on avançait, on a créé d'autres sous-groupes sur WhatsApp. Donc on est en train de s'entraider, hein, de créer des actes de bienfaisance. Comme aujourd'hui, comme vous l'avez vu ce matin, on a créé un dépistage. On a organisé une journée de dépistage et de consultation gratuite. Yeah. Comme je le disais tantôt, loin de nous l'idée de verser dans le sectarisme ou dans le clanisme. Mais on considère que la société, c'est comme un mur, symbolise une famille. Hein? Donc si chaque famille fait en sorte de s'organiser, de bien s'organiser, hein? Donc cela ne sera que bénéfique pour la société entière. Donc juste rappeler que dans chaque chose il y a du bien et du mal. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient, c'est tout. Donc les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui que il y a la cybercriminalité, il y a les arnaques, hein? Mais il faut faire de sorte d'en tirer le positif. Donc je leur dis de prendre exemple sur nous, hein? Aujourd'hui on a organisé une journée de consultation gratuite, hein? On a vu des vieillards, hein? des vieilles dames qui étaient ici à vendre des marchands, des commerçantes. On leur a incité à venir faire la consultation, hein? Donc ils vont savoir leur groupe sanguin, ce qui est très important, hein? On ne sait jamais, un accident peut survenir à n'importe quel moment, hein? Si tu connais ton groupe sanguin, on va les soins vont être plus. Donc on continue sur cette lancée.